Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Fallout 3. Je suis redescendu du là-haut. Là-haut c'était. Là-haut. Et du coup, j'ai croisé Ghoul. Et Ghoul, nous avons commencé à tuer. Ghoul, peut-être je vais finir de tuer d'ailleurs. Shot. Ah, t'es bugué toi. Eh mec, ah mec, t'es bugué mec. Level up. Level 123. Je fais une suite, un rami, un truc. Voilà, je fais une t-shirt de 3. Mec qui se baladait avec un bras. Intéressant. Intéressant. Qu'y a-t-il donc à cet endroit? C'est un avant-poste. Ok. C'est un avant-poste. C'est un avant-poste. Enfin un avant-poste. Même pas, c'est même pas un avant-poste. C'est un gardiennage quoi le truc. Oh, il y a une maison là. Il y a une maison. Est-ce que c'est ghoul ayant les maisons? Est-ce que les maisons détruites, les ghouls aiment ça? Y'a que dalle, c'est juste une maison qui était là, il fut un temps et qui n'est plus là. Dans ce nouveau temps, bien sûr. Y'a des gens qui se tirent dessus. Y'a des bouts de chiottes qui traînent partout. Intéressant! C'est très intéressant, des bouts de chiottes, vous vous rendez pas compte? Ouais, non, on va peut-être garder la lookout parce qu'à proximité on voit rien. On voit au loin, mais à proximité on voit que dalle. D'accord. J'ai descendu quelques ghouls, hein. Je sais plus trop où il y en a. Il y en a. Ici et là. Peut-être que ce bus qui est maintenant à l'arrêt renferme peut-être des trésors incroyables. Peut-être absolument aucun. Nous allons le savoir tout de suite. Oh, une valise verrouillée. Tellement bien. Génial. Bon, il y avait trois cartouches qui se baladaient dedans. C'est toujours cool. Hein. On aime les cartouches, surtout très rares. Un petit Medix comme ça. Le chauffeur, il se seringue de temps en temps. Petite seringue comme ça pour bien démarrer la journée. Je viens de le ramasser, je suis bouillon. C'est bien, on est prêt, hein. J'ai pas encore bu mon café, vous inquiétez pas, on est chaud. Mais, c'est frémitant, merci. Est-ce que la manette montrerait des signes de faiblesse? Il y a un mec là-haut? Non? Ah, mais non, c'est un arbre. C'est une souche d'arbre. Donc, normalement, nous on est passé par là, parce que je vois une tente. Théoriquement. C'est encore une nouvelle tente. Ah, c'est encore une nouvelle tente. Bon, bah écoutez. Il y a des petites tentes plantées partout comme ça. C'est mignon. Des fourmis ouvrières. Et une fourmi de battle. Bon, ça va être la teuf à la fourmi. Bestiole qu'on ne voyait jamais, maintenant qu'on voit partout. Des cadavres. Ça m'intéresse. Oh, bonjour. What? Elles sont trop malaises. What? Ah mais. On leur fait que dalle. On leur fait que dalle. Là, ici, Eric. Ah, c'est bugué dans le décor. Non. Non, ils auraient pas fait ça. Voyons, c'est pas dans leur habitude à Bethesda d'avoir des trucs buggés dans les décors. Non. Non, c'est moi qui dois mal les prendre. Très probablement. Lol.
j'allais passer à côté. Comme si j'allais passer à côté. Bon. And what else? Une voiture. Alors c'est un modèle Kafka qui ressemble plus à rien. Voilà. Un peu fatigué. Qu'on a vu beaucoup hein. Ce modèle a une centaine d'années. Ok. Ça normalement c'est bon, ça on maîtrise. Hein. Ça ici normalement on est passé. Je veux pas me dire oui, mais en fait oui, on est déjà passé. Non, c'est pas possible. Non, ça a été régène là. Je vous crois pas. J'ai fait comme ça une valise au pied d'une touche d'arbre, pas très loin d'un char d'assaut, machin. C'est bon. Après, c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup d'allers-retours pour ramener toutes les armures de Space Marines. C'est vrai que ça peut faire couler suffisamment assez de temps pour régène les éléments. Ça me fatigue énormément. Voilà. Je sais pas pourquoi vous prenez ça. Petite saccade. Ça on connaît. Ouais, tout ça on connaît. Ça a été tout a été régène là, c'est quoi l'histoire? Des bouchers, des machins. C'est encore vous qui tiriez sur des gens là? C'est étrange ça. Attendez, il y a des gens qui se battent là, il y a des trucs à récupérer. Arrêtez! Mais moi aussi je veux de l'XP! Ah, vous tirez sur les récup'? C'est les gens qui se tirent dessus là comme ça! Mais moi je veux pas, moi. Moi je veux pas, attendez. Je veux pas qu'ils tuent les récupérateurs. Oh merde, c'est pas mon problème. Ça, hein, ouais, ils tuent les récupérateurs. Quand est-ce que tu vas toujours sur le que des salauds. Ah ouais, non mais tout a été régène, d'accord. Bon, je vais peut-être pas vous saouler avec ça. Il y avait un peu de pognon à ramasser, mais bon. C'est pas... Je vais pas vous saouler avec ça. On va refaire un truc qu'on a déjà fait, Osef. Par contre, les plantes ont régène. Très étrange, ça. Il y a eu une mise à jour de Fallout ou bien? Parce que généralement, quand il y a une mise à jour, ça a tendance à réinitialiser les loot. Il y a un nouveau nonoche, ouais. Ah, on avait vu avec ce carton retourné, ouais. Ah, tout fait ici. Hein. Alors, du coup, je vais plus savoir qui j'ai déjà descendu, de qui j'ai pas encore descendu. Voilà. Alors, attendez, si, il y avait un arbre, on avait vu des gens. Au loin, je me rappelle. Ça, je m'en rappelle. On a vu des gens que je connaissais pas, voilà, qui sont là, normalement. Ils sont pas là. Ouais, est-ce qu'ils étaient... Ils sont un peu plus loin, là-bas, le camping. Alors, on ne s'énerve pas, on reste tranquille. On trouve des solutions. Voilà. Un grillon. Deux grillons. Trois grillons. Et un petit valention. Ok, on est bien, on est zen, tout va bien. Ça fait beaucoup de pattes, hein. Nos chers amis insectes, wow. Des larves dans tous les sens, un habitant. Les Nations Unies, vu par Fallout. Les Nations Unies dans Fallout, voilà, ça tourne mal. Pas trop de différence entre les peuples. Comment ça devient compliqué? Bon, après c'est que des fringues. Ouais, c'est ça. Y a pas de... Ok, pour ça, mec. Ok, formidable. Ah, un petit pistolet là. Voilà, je le prends. Ça fait beaucoup de bordel de loot. J'avoue, je serais bien les descendre ces pillards là. Personne n'aime les pillards. Même les pillards ne s'aiment pas entre eux, c'est dire. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, clairement, c'est d'aller voir cette espèce de garage qu'il y avait au loin, là, par là.
Allez voir un peu ce qu'il a à nous raconter ce truc. Vers 200. Allez, toi. Ça, pousse-moi, je te dirai rien. Il peut être preuve sur tout ce qu'on trouve sur eux. Oh mais les machins, ils volent quoi. C'est bon. Sans calmer. J'ai hâte de voir ce que je peux cuisiner avec tout ce merdier d'ailleurs. On verra bien. Hein. On peut cuisiner des trucs sympas avec tout ça. Pouf. Ah oui, alors par contre, si lui il a été régène, c'est intéressant de le retuer. Parce que bon, les écorcheurs, on en a pas des milliers. On en croise pas souvent. Ils sont timides, ils ont tendance à rester un peu chez eux. On peut avoir le coup d'en retuer. Hein. Que j'ai d'ailleurs revu en, la vidéo pour faire les tags de la vidéo, pour faire les mots-clés. En fait, je l'ai vu 15 fois le truc avant de vraiment le voir en fait. Il passait genre 15 fois dans ma caméra avant que je m'aperçoive que. Ah, il y avait un écorcheur. Ah ouais, ils ont. Ah oui, ça se dirigeait. Bon, écoutez, hein. Hein, écoute. Ah, s'ils le prennent comme ça, hein, moi ça me va. Hein. C'est marrant, ils ont tout rejeté, c'est rigolo. Il y a dû y avoir une mise à jour, j'étais pas au courant. Et là par contre c'est une épée de la guerre d'indépendance. Ouais, bon on change d'arme. Hein. Le mec il est mort mais il change d'arme quand même. Il a le temps. Il a le temps, il est pas pressé. Il fait ses petites emplettes. Tout ça. Bon par contre ils ont pas régéné les écorcheurs, hein. C'est un peu triste. C'est un peu triste qu'ils aient pas régéné les écorcheurs. Ouais, pourquoi j'ai des petits frises. Des frisinettes. Faudrait que je vois si ça rampe pas sur la capture. Regardez cette vidéo, vous regardez celle d'avant et puis vous me dites la qualité qui vous va le mieux. Ouais. On s'adaptera le plus possible. Ah si, l'on régène. Ok. Ça servait à rien de se cacher. Tu veux bien te détendre s'il te plaît? Voilà. T'as mis du temps à arriver mec hein. On a eu le temps de tout dépouiller, je sais pas d'où ils t'ont ramené mais tu venais de loin moi je pense. C'est des créatures, elles viennent de loin. Ah bah du coup le petit coffre hein, on reprend le petit coffre. Ça valait le coup. Ouais, faudra que je refasse l'arrière du dépôt aussi parce que bon ça fait toujours un peu de pognon à récupérer quoi. Ça y est. Et un peu de matos. Ça fait quelques mecs de la meute à descendre je crois. Donc c'était c'est des meutes ou des disciples. Ouais, je sais plus. C'était des pillards. Ça, je suis sûr. Ok. Donc, ce parking qu'on n'avait pas visité. Écoutez, moi, je vous propose de visiter. Hein. Attends, il a l'air sympa. Hein. Ah, j'ai été grillé. J'ai été grillé par des grillons. Hashtag, on adore l'humour ici. Ouais, y'en a un, il believe I can fly. Bref. Il believe, il can touch the sky, tout ça. Ouais, moi aussi j'adore mon accent anglais. Du gris-gris, du grillon, ok. D'accord, mais encore. Non, cette touche là pour courir. Attendez, j'ai oublié de récupérer une plante. Ah, c'était pas la même. Hop là. Moi, j'aime bien quand les axilés ça repop. Hein. Je suis d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord. Ah ouais, fallait avoir. Fallait s'approcher de ça aussi. Oh, tout me fatigue. Tout me fatigue. Bah, tu vas venir nous voir. C'est pas. Par deux, ça se balade pas par trois les mouches normalement. Ah, oh, la zone galactique, ça y est, on a découvert la zone galactique. Ah, oh, ça me. Je déteste ce jeu.
C'est quoi ce... C'est quoi cette zone de détection absolument abusive? C'est bientôt tu l'auras dans ton champ de vision, genre au loin, très très loin, et en fait tu l'auras découvert, parce que tu l'auras vu. Voilà. Ce qui, ceci dit, est logique aussi, mais bref. Pas la question. Sonori qui voyait un petit peu dans le noir. Alors, les Darion. Mignon petit Darion. Légendaire, hein. Doré, hein. Légèrement chromé sur les côtés. Oh, il a pas aimé. Y a un truc là. Il a pas aimé. Ah si. Bon, il bouge pas. On dirait qu'il aimait ça. Personne ne sort de sa petite ruche. Personne ne sort. Ah. Quoi? Waouh! Oh, le bug! Le bug! Magnifique. C'était beau ça. Par contre, ça me gonfle. Pourquoi il allait tirer sur un truc là-bas? Non. Vous l'avez rêvé, Fallout l'a fait pour vous. Bon, cut. Ranger flingue. Ranger flingue, c'est peut-être pas la meilleure des idées là maintenant tout de suite. Mais bon. Épée d'officier chinois réduit en point d'action. Coût en point d'action réduit de 40%. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment. C'est incroyable. Ah oui, c'est vrai que moi maintenant je peux boire ça. J'oublie à chaque fois que je suis cool, hein. Bon, ça a vite oublié. Non mais monsieur, je bois. Monsieur, je picole. Voilà, je t'ai changé un peu, j'avais pas de temps à perdre avec toi. C'est pas très opti, je sais. Voilà. Voilà, voilà. Alors. C'est mort, ça c'est mort. Ça c'est le trésor. Ça c'est mort, ça c'est un trésor. Ça c'est de l'autre côté du mur. C'est mort, ça c'est un trésor, ça c'est de l'autre côté du mur. Tout va bien. Boss alerte, repos. Ah, on sait déjà. On a le spoil. On affrontera des protections. Sur le parking. Parking. Tac. D'accord. On est littéralement sur cette zone là. Très bien. On avait fait les côtés. Faisons le milieu vite fait pour signer un truc, mais je crois pas. Oh, on voit un petit bouffi là-bas. Si, il y a un truc là. Oui, d'ailleurs, je dis un bouffi, non, ce sont des fangeux. Donc en gros ça va nous donner sur un territoire à fangeux. Évidemment, dès qu'il y a de l'eau, il y a des fangeax. Évidemment. Oh, t'es loin, hein. Allez, demain c'est loin. Oh, le premier shot, c'est beau. Jamais mieux servi que par soi-même, pas vrai? Exactement. Bon, ça rien que je me cache, de toute façon, si je croise des fangeax, voilà. Hop. Le roi des fangeux, tu crèves. Y'a un autre truc qui avait sauté, non? Et quoi? Connard.
Alors j'aime, parce que les rois des fonds de jeu, j'aime bien le style qu'ils ont donné dans Fallout 4 par rapport à Fallout 3, t'avais vraiment l'impression que c'était des humains quoi. C'était vraiment des hommes poissons quoi. Là ils ont vraiment une tête de... écorcheur. Un purifié. Oui ça c'est un écorcheur ça. Ah vu les vagues que ça soulève, c'était un écorcheur évidemment. Un purifié, monsieur je veux te parler. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pardon. Excusez-moi, cher monsieur. Pensez-vous avoir une vie heureuse? Vraiment heureuse? Relativement content. Je crois, oui. Relativement. Alors elle n'est pas vraiment et complètement heureuse. Je peux vous montrer le chemin du véritable bonheur. Le chemin de l'illumination, grâce à l'ubologie. Cela vous soulagera de votre fardeau et vous aidera à trouver le vrai bonheur que vous cherchez désespérément. Cela peut également débloquer le véritable potentiel de votre esprit, vous donner de vrais pouvoirs psychiques. Ça a l'air pas mal. Montrez-moi le chemin du vrai bonheur. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, venez avec moi. Je vais vous présenter aux autres, et vous pourrez prendre votre premier alignement. Oui. Par ici. Ouais, non mais attends, d'abord il y avait des gens qui se frittaient là. C'est quoi d'ailleurs ? Un rat de scorpion ? T'as défoncé le... Non, t'as pas fait ça. Hein ? Ah ouais, c'est vrai qu'ils se téléportent dans la terre aussi. Oh, ils font chier. Allez, allez-y, ramenez-vous. Allez. Ils ont des pops ! Mais repopez, bande de cons ! Allez. Allez ! Merde, arrêtez de vous faire prier, bande de cons ! Ils sont où, là ? Allô ? Sors de là-dessous, toi ! Merde. Ah ça y est, ah bah voilà, bah voilà, voilà. Ah il est rentré. Vous êtes vraiment des sacs à merde hein. Ouais mortuaire ouais. Ouais ouais. Allez sors. Putain sors Martoni, arrête de faire le con hein. Ah ils font chier, ah ils font chier. Oh ça emmerde les rats de scorpion qui se font désirer comme ça parce qu'ils sont buggés. Garde de sang luminescent. Quoi sérieusement. C'est quoi toutes ces merdes qui se baladent là Non mais bon ils mettent sous terre aussi, c'est chiant. Il est où le gros machin que vous avez descendu là? Ça a l'air d'être là-bas. Ouais j'y vais, ouais bah vas-y continue à lui tirer dessus hein. Ah ouais ouais je l'ai vachement bien suivi hein le mec de l'esprit purifié. Ah le test. Le test. Ah donné. Non inventaire. Ouais dans les divers. Le test. A mon avis y en a un qui a voulu devenir chef. Oui c'est là-dedans. Normalement c'est après les clés. Voilà. Ah c'est bon. C'était au-dessus. Le test. Le test Mason, mais tout le monde l'adore. C'est un vrai chef de meute. Ils disent tous. Moi je dis que c'est un vrai connard, c'est tout. Il me dit que je dois apprendre à rester à ma place, alors que je cherche juste à aider. Comment je pourrais faire mes preuves un jour, si je passe mes journées à m'occuper des caches des esclaves? Si c'est comme ça, je vais sortir avec ma propre meute. On va se faire un écorcheur. On va voir ce qu'il va dire quand je lui ramènerai la tête de la bestiole. C'est qui le chef de meute maintenant, hein? Sale enfoiré, j'ai hâte de voir ça. Hâte de voir quoi? Hein? Rien. Putain, t'es là depuis combien de temps? Allez, casse-toi! Ok. Bon, bref, ouais, bon, ils ont pas pété l'écorcheur les a pétés, puis l'écorcheur a pété un rat de scorpion, puis les rats de scorpion lui ont pété la gueule. Faut dire que quand t'as 3 rats de scorpion sur la tronche, au bout d'un moment, puis des costauds en plus, alors que l'écorcheur n'était pas spécialement un écorcheur costaud, échec et mat. Donc fallait que je suive, alors attendez, parce que du coup on a une quête maintenant, attention, on ne fait pas juste que découvrir les coins, attention. Attention, sur comme d'habitude Gaming vous offre un contenu incroyable, non c'est pas ça. Si c'est ça, vers les étoiles. Les médailles pour... Oui, je...
regarder ça cocher, c'est pas le problème. Ah, c'était où? Où? Pardon. D'accord. Mais je suppose que c'est par là, hein. De toute façon, décharge du K-World. C'est joli, hein. C'est joli. Comme c'est beau. Avec notre rat de scorpion buggé là-bas. Notre rat de scorpion qui s'est chié dessus. Il veut pas se friter. Il a fait non, bah c'est bon. La journée. Déjà des tarés qui viennent pour se faire déqueniller. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Il y a des gens qui parlent. C'est pas grave, fouillons d'abord les bâtiments. Les gens y parlent. Parlons plus tard. Parlez à maman. Un document technique, évidemment. Confrérie trop intéressée. Ah, les bonbons casiers. Il m'avait pas ce que manquait, tiens, les casiers. Parce que c'est typique de la nappe centrale, là, ici t'en as pas. Jamais. Joli. Personne ne peut vous empêcher de vous servir, pas vrai, chef? En effet. Sentinelle Lucatron. Mister Soda. Je pense qu'il y en a plus proche là. Oh là, ils sont tous assez loin. D'accord. Ah, en fait, non, on est en territoire ennemi. Dès pour une ville, c'est un peu mort quand même. Les mecs sont un peu cachés. Après, je me suis dit, bon, ils vivent peut-être dans la cuvette, en souterrain. Si on captait leur attention. Ah, moi j'ai capté un peu trop bien son attention. Du coup, il n'est plus très attentif. Oh. Mais donne le tocan. Tu donnes le tocan. Bâtard. Très mignon. Oui, bah non. Oh, d'accord. T'es super mot de passe que je trouve. C'est bon. Hop, commande du protectron. Active-moi ce con. Ah, c'est pas sur lui qu'il tirait. Mais c'est bizarre. Effectivement. T'es sérieux? C'est votre façon à vous de concevoir l'hostilité là, vraiment? Pas étrange. Si tu veux mon avis. Ah oui, d'accord, en fait c'est littéralement là qu'ils mettaient toutes les machines ouais, qui jettent. Bah si, c'est une décharge, oui. Je suis con, non mais des fois je suis très con hein. Des fois je me le dis à moi-même, je me dis non, qu'est-ce que t'es con. Enfin, qu'est-ce que je suis con. Enfin, du coup j'ai un doute, je sais plus si c'est moi, si c'est moi ou des fois si c'est moi, tu vois. J'ai un doute, ça arrive d'avoir un doute, merde. Bon, voilà. Du coup j'arrête de m'engueuler avec moi-même. C'est compliqué. J'aurais bien expliqué, mais je sens que c'est compliqué. Non, mais ça nous avance pas plus de faire ce parcours. Le mec, il fait du parcours en disant non, je peux passer par là, non, je peux passer par là. Et oui, oui, je peux. Je peux, mais ça ne sert à rien. À moins que je puisse grimper sur toi, mais ça n'arrivera pas, c'est beaucoup trop haut. Bon, rentrons. Saluer le dernier. Toujours essayer d'attraper la dernière part de garde. Très important. On l'a eu? Non. Sérieusement? Alors là. Tarte parfaitement conservée. Trop.
trop bien. Eh, tout ça grâce à la magie des conservateurs. On oublie trop souvent de le dire. Pas de conservateur, pas de magie de conservation. À croire qu'il n'existait aucun autre moyen de conservation avant. Ah, en fait, je vais prendre ça aussi. Une petite ambiance pieuse, très sympa. Dérouilleur communiste, bien sûr. Ah, intéressant par là. Qu'est-ce qui se passe? Un alien animatronique. On se marre bien. J'avoue, c'était très rigolo comme bestiole. Par contre, lui il se marre moins. C'est un pillard un peu fatigué. Oh mon amour. Oh les radiations, ma vie. Oh la lumière du bio, de la biomatière. Oh oui. J'ai pas le 1. 25% de dégâts de poignard de combat et de cran d'arrêt. Hein, pour les mecs qui jouent couteau. Ouais. Ouais, pour essayer de faire un Skyrim 2, quoi. Les Dax, c'est trop fort. Ça y est. Oh là là. Beau travail. Allez, boss. Je vais vous faire un cadeau. Sachez que c'est juste pour vous. C'est vraiment juste pour vous que je le fais. Pour personne d'autre. Merde, j'ai plus le temps de boire de café. On prend le temps de boire un café, on a le temps, on a le temps. Épisode de Fallout sur comme d'hab, vous savez que c'est long. Oh merde. On y retourne. On est par là, ça a été plus court. Monsieur. Et y'a. Hein. Il y a trop. Et y'a. Merde. Hop, voilà. On fait pas deux fois la même erreur. J'ai réussi à péter une planche à force de passer. Et ah, oh, je vais y arriver, hein. Moi, je vous promets, je vais y arriver. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que je me m'embête à être en surcharge. Regarde, oh, je casse des planches. Hé, hey. Quoi de neuf? Échange. Voilà. Tu veux pas prendre genre tout ça. Tout ça. Jusqu'à plus pouvoir porter quoi que ce soit. Vas-y, prends. Attends, qu'est-ce qu'on a déjà ramassé comme merdier en vrai? Ah ouais, mais j'ai pas assez en fait à lui refourguer. Attendez, ouais, prends tout ça aussi. Je me soigne jamais, donc vas-y, prends tout. Je me soigne à coup de rat d'être flotte, de flotte polluée, donc vas-y, prends tout. C'est pas suffisant. Bah prends des flingues, hein, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis? Si tu voulais vraiment prendre des flingues, prends des flingues. Je te dise de plus. Bon, c'est bon, tu peux plus importer. Eh, hey, on peut courir. Pour l'instant. Ce sera fini incessamment sous très peu. Putain, mais en fait, je crois qu'on peut pas rentrer dedans. Je crois que le jeu nous méprise suffisamment pour qu'on puisse pas rentrer dedans. Non, on doit pouvoir rentrer dedans. Moi, j'y crois pas. Non, non, on doit pouvoir rentrer dedans. On doit pouvoir rentrer dedans. On rentre dans celui-là, tu vois. Pour atteindre ça, pour la bonne raison qu'il y a une pile à récup. On doit pouvoir. Alors, attendez, hein, j'essaie des stratégies. Ceci dit, maintenant que je suis plus léger, pourquoi je le ferais pas en accompli? C'est une mauvaise idée. Non, non, on glisse vraiment contre. Bon, c'est récupérable, mais bon, pour une pile, je sais pas. On va rester une demi-heure ici. Quoi. Par contre, si vous pouvez arrêter de flotter, putain, il y a une vraie vie là-bas. Hein. Un vrai manoir, enfin un vrai truc quoi.
On va y aller aussi, on va y aller aussi. On va aller partout, de toute façon. Tout visiter. Bon. T'es mort. Bah t'as jamais été vivant, mais enfin tu comprends ce que je veux dire, le robot. Arrête avec le débat philosophique. Je suis mort, mais je n'ai jamais vécu. C'est vraiment bêta, là. Râteau pour... Mais vous êtes sérieux? Oh, j'ai presque envie de vous descendre à la main, tellement j'ai aucun respect pour votre autorité. Vraiment pas sérieux. Ça se tire là-haut, hein. Ai-je l'impression. Faire un tour. Faut qu'on fasse un tour intégral. Allez, ça échange sur quoi? Je peux courir. Oh, fatigue. Non, c'est vrai. Le jeu qui m'affiche, vous pouvez plus courir. LOL. LOL. J'avais pas remarqué peut-être. Les opérateurs, oh, je les aime pas. Ah ah ah, ils me déplaisent. Ah, ils sont vilains. Ah, c'est caca l'opérateur, hein. J'aime pas ça. Saloperie, va. Vous n'avez jamais aimé, personne ne vous aime. Et en plus, sur quoi vous tiriez là, bande de salauds? Vous m'avez volé d'XP en plus. Sur les ghouls. Ouais. Pas grande perte d'XP quand même. Mais perte d'XP tout de même. Bande de salauds. Et pourquoi des ghouls à cet endroit? Juste parce que c'est cool. Parce que c'est leur terre-terre, c'est leur quartier. Ils avaient décidé ça comme ça entre eux un mardi matin. Mardi matin, c'est... Déjà que mardi, c'est une journée de merde. Alors mardi matin, c'est vraiment comment commencer une journée de merde. Wow. Les gens dans le jeu se tépaient un peu là. J'ai pas trop beaucoup ça. C'est pas normal. Bref. Retournons à nos mots de temps. Ah oui, c'est vrai. Bon, bien que je descende. Voilà, si vous avez la capture là par exemple qui l'agace un peu la vidéo, bah, c'est normal parce que ça lag aussi pour moi. Je n'ai pas la pluie. On peut pas rentrer là-dedans. On peut peut-être aller dessus par contre. Il y a peut-être des trésors incroyables dessus. Genre des bouteilles de Nuka-Cola vide. J'ai bien fait tout le tour, hein. J'aime ma chance incroyable. Des fois. En même temps, j'avais qu'à ouvrir les yeux. Il y a même pas une bouteille de Nuka-Cola vide. Ma vie est nulle. Ouais, vous pouvez pas rester quoi, un robot à péter. À ces derniers robots. Sous plus, on peut rentrer par aucun côté. Par aucun côté, nous ne pouvons rentrer. Oh, genre, je t'ai mis. Oh, je t'ai mis. Mais Lightbox, Lightboîte, la Hitboîte. Détection d'un intrus non identifié. Oh, j'avoue. Début de la recherche. Oui. Zone sécurisée. Oh, il est dans le décor. C'était dans le décor. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens respectueux de la loi. Dans le décor. Il est bugué. Formidable. Ah non, il est dessous.
Ah. Et j'aurais été capable de me prendre la tête 30 minutes pour ça. Ah bah ça y est, il fait beau. Il fait beau, il fait jour. On aime. On aime cette zone. C'est bon, hein, j'ai vu des accidés, je vais les chercher. Hein. Vous savez, je suis un peu un possédé de l'accidé. Ça repousse pas, on peut pas les planter, enfin c'est le gros stress. Et que j'en fais une consommation illégale à ce niveau-là. C'est tellement j'en consomme. Je sais pas, ça vaut le coup de faire un tour dessus, allez. Allez. On dira que c'est mon job d'aller faire un tour dessus. Poète. Ah, y a un petit truc par ici, peut-être un petit truc. Une merdouille. Une merdouillette. Une andouille, une andouillette. Ah, y a un petit parcours. Hein. Un petit parcours là en bus décédé. On va essayer de s'y intéresser. Qui veut mon pied, je pense. Qui veut mon pied, où je pense. Intéressant. Les gens sont fâchés. Tapage. Oh. Oh. Ah, j'ai coupé par des endroits où il fallait pas. Fallait passer par la première grotte pour. Oh, je suis désolé, j'ai pas respecté le jeu. Ah, pardon, monsieur. Bon, bah, tant pis, on y est. Hein. Écoutez, je vais aller fouiller la baraque du chef. Hein. Yeah. Je vais aller faire un tour au QG. Hein. Ah, c'est bloqué. Oh, faut faire des choses. Bon, allons-y. Ouais, ça, la grotte est là. Obligé de me mettre en svav, mais c'est pour recharger ma jauge, comme vous le savez. Fourmilière gérante installée. Choupé. Ouais. C'est quand même le bordel. Et nous, du coup, on revient ici. Nice. On prend mon souffle parce que j'en ai marre d'entendre tousser mon personnage, cracher ses poumons. Bref. Et on y va. Bon, par contre, j'ai rien trouvé pour ouvrir la cabane du chef. Peut-être rater encore un élément. Peut-être encore en mode gruge, faire attention. Peut-être des petits trucs à voir. On se balade là, ok.
couloir. Après, on est censé rentrer ici. Donc, faut sortir par là. Bah non, pas par là. On est censé ressortir par là et arriver devant la cabane du chef. Cabane du chef qui est inaccessible. Rien à faire. Ce que nous pouvons faire donc, c'est continuer le tour là où il y avait les soldats énervés, donc c'était par là. Et essayer de trouver les derniers connards. Donc là, il y en avait un ici. Un Mister Gusty de l'armée. Vous devriez peut-être balancer quelques-unes des merdes qui vous encombrent. C'est vrai que je devrais toujours te balancer par-dessus bord. Ça viendra. T'inquiète pas. Ne me supplie pas, ça viendra. Oh, est-ce que c'est inaccessible parce que j'ai retiré le réacteur? Attendez. Le réacteur nul. Et est-ce que je vais pouvoir le remettre? Non mais ça peut... Si je peux pas le remettre, c'est que c'était pas ça déjà. Déjà la solution c'est pas ça, c'est que j'ai encore atteint un truc. Je m'énerve ces éléments de quête qui veulent pas se déverrouiller de manière classique parce qu'en fait faut faire tout le tour du patelin, du large patelin que c'est pour pouvoir tout déverrouiller. Est-ce que je peux le remettre? Que le prendre. Donc c'est pas ça la solution. Ou alors c'est vraiment des connards qui me connaissent ça. Ah. Encore un endroit où il faudra repasser plus tard. Donc pourquoi pas. Encore des hubolistes. Oh. Hey, on se fait ça dans une prochaine vidéo après tout. Non? Si. Allez. Hey, comme ça la vidéo elle est pas trop longue. Je vous remercie. C'est Narfunk sur Comme d'habitude Gaming pour Fallout 4 et je vous dis à la prochaine. Ciao.